Et donc, salut à tous, c'est Dorok qui on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode d'architecture en cube. Hors caméra, je me suis permis, j'ai enlevé le sol en terre, hein, parce que c'était pas très intéressant de le montrer. Et je voulais donc remplacer ce sol en terre par du sol rouge, parce que le rouge c'est bon, c'est ma couleur préférée, contrairement à beaucoup qui est la couleur bleue, moi c'est la couleur rouge. Donc on va remplacer ce sol. Et je vous dis après ce qu'on va faire. J'essaye d'aller le plus vite possible pour pas que vous vous ennuyiez. C'est limite, je me demande pourquoi je l'ai pas fait en hors caméra aussi, mais quand même que je vous montre un peu ce que j'ai fait, ce que je fais. Sinon, je vous montre directement la maison finie. Ce serait pas drôle. J'espère que ce que je fais pour l'instant vous plaît, hein. C'est mes premières vidéos. La première vidéo que j'ai fait, la présentation de la chaîne, j'étais un peu. Je chiais dans mon froc, hein, pour parler clairement. Hein. Là, ça va à peu près encore. Vu que je me dis que j'aurai 3 vues, c'est pas grave. Voilà, j'en remets les portes parce que le sol a été détruit. Et donc voilà. Donc on va s'occuper. Ici, on va faire une petite table à manger. De 4 personnes ici. Oh, parfait. Donc ce sera une table en piston. Donc pour ceux qui connaissent pas, bon, il y en a pas mal qui connaissent quand même, mais pour ceux qui connaissent pas, je vous montre quand même comment on fait. Donc vous creusez un trou de 2 de profondeur, vous mettez des tranches de redstone en bas et vous mettez des petits pistons en regardant par là. Tac, tac, tac. Ah, ah, voilà. Et tac. Donc ça fait une jolie, magnifique table piston, moi j'adore. Voilà, je vais dormir un petit peu pour que vous ayez un maximum de lumière. Parce que YouTube, ça a du mal. Allez, dodo. Merci. Voilà. Pourquoi je raterais en F5? Voilà. Pourquoi? Donc voilà, une magnifique table piston qui n'est pas de moi. Façon, c'est surtout des idées que je chope ailleurs. Hein. Je vais pas vous faire d'illusions. Des petites chaises, comme ça, avec les panneaux, pour donner sensation d'accoudoir. Et dans ce vide là, on va mettre des bibliothèques, un meuble bibliothèque, je pense. Enfin, je pense pas, j'en suis sûr. Donc moi j'aime bien faire un peu à l'arrache. Hein. Si je fais ça, ça et là un double coffre, ça fait quoi? Ça fait beau ou ça fait moche? On va bien voir. Voilà. Voilà. Mince. Mince. Mince, mince, mince. Je fais que de la connerie. Fail. Limite, si le double coffre, je le mettais là, à la place. Tac. Comme ça me convient bien. En plus, le coffre est opérationnel. Voilà. Je vais ranger un peu. Enfin, je vais ranger. Je vais jeter un peu mon merdier. Oula, petit coup de lag, petit coup de rame, pardon. Parce que le lag n'a rien à voir. Le lag, c'est un rapport avec la connexion, je suis solo. Donc une petite table à manger avec le petit meuble derrière, bien sympa, j'aime bien. Ici, dans ce vide-là, on va mettre. Je vais vous montrer des sortes de canapés. Avec de la laine noire, escalier et demi-dalle. Donc le premier c'est le canapé. Bon, les deux sur les trois, il y en a deux qui sont plagiés. Hein. Celui-là c'est une idée de Biloubette. Donc voilà, l'idée avec deux demi-dalles pour faire sensation on peut s'asseoir. Ou alors vous remplacez, voilà, le sol par la même laine qu'au-dessus. Ça donne la sensation qu'on est dedans quoi. Après, de l'extérieur, c'est un peu moins joli. Voilà.
Le deuxième, c'est de Bob Lennon. Si vous l'avez pas vu, je vous le montre. Hein. C'est tac. 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 Donc, ce qui permet de mettre des lits. On peut même s'allonger dedans, donc. Hein. Noir, c'est bon. Puis laine rouge. Non, laine blanche. Laine blanche et laine noire, donc tac. Tac. Voilà. Canapé de Bob Lennon avec des pressure plates sur le dessus, pourquoi pas. Voilà. Ouais, celui-là j'aime bien. Mais moi, celui que je vais mettre là, c'est un canapé d'angle. Donc celui-là est de moi. Enfin, peut-être qu'il a été inventé avant, mais je l'ai chopé à personne. Un canapé d'angle. Donc, il suffit de mettre des escaliers. Une bûche pour séparer l'angle. Enfin, pour donner l'angle en fait. Et voilà. Peut-être un peu ma stock, je vais enlever d'un. Voilà, parfait. Et on peut mettre, parce qu'on a les moyens, une petite table basse en sandstone. Voilà. Et ici, un petit meuble bibliothèque aussi, pourquoi pas. Si je les trouve. Bibliothèque. Barrière. Et j'ai encore oublié de mettre le chrono, bravo. Voilà, le chrono n'est pas mis, donc je finis ce meuble-là, puis je vais voir depuis combien de temps je filme. Voilà, un beau meuble. Bon, allez, à tout de suite, je vais vérifier depuis combien de temps je filme. Et heureux. Donc on a encore 7 minutes à passer ensemble, n'est-ce pas? Alors, moi j'ai du mal avec les compteurs, hein. Chaque fois je l'oublie. Donc voilà, on s'est arrêté là. Je vais mettre une petite pressure plate ici. Voilà, je vais récupérer ça et je vais jeter mon merdier comme à chaque fois. Tac 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 tac. Tac. Voilà. La jolie maison, j'aime beaucoup. Et voilà, donc là c'est pour se détendre entre amis. Je vais mettre des petites chaises là parce que. Bah parce que c'est mieux assis, hein. Une chaise de 3, là, pourquoi pas. Voilà. Et une petite ici. D'un seul. Ouais, d'un. Tac et tac. Voilà. J'aime beaucoup. La petite ça. Voilà, donc globalement je crois qu'on en a à peu près fini avec cette pièce. Ah oui, ça je les ai rajoutés hors caméra, excusez-moi, parce qu'en fait j'ai déjà fait l'épisode mais j'avais le son était complètement pourri, alors du coup bah, j'ai tout démoli puis j'ai décidé de refaire. Donc voilà, ceux-là vous les avez pas vus, je vais les remettre pour dire que voilà. tac, les tableaux. Mince. De la brique. Voilà. Ça me plairait bien. Un de deux. De deux en, voilà. De deux en hauteur. Voilà. Je vais en mettre un petit là. Bon, bah, un gros, là. Un là. Un là. Un petit, un gros, là, même. Pourquoi pas. Parfait. Non, moi j'ai de la chance avec les tableaux, je sais pas pourquoi. Non. On peut pas en mettre sur les. Ah si. Voilà, des petits tableaux un peu partout. Ouais, moi je m'attarde pas dessus. Je mets des tableaux, basta. Basta quoi, basta. Voilà. On va éviter de mettre les deux mêmes. Voilà. Bon, on va s'attaquer au niveau supérieur. Donc on va faire un petit lit déjà en baldaquin qui n'est pas de moi encore une fois. On va laisser un espace quand même. Combien je vais le faire? Comme ça? Non. Ça me paraît petit.
Oh non, Marc. Pourquoi je peux pas mettre de demi-dame? D'accord. Un petit lit, s'il vous plaît. Il veut dormir. Tac, tac. Voilà. Les petits poteaux. Moi, j'adore les lits en baldaquin. Hein. Baldaquin. Voilà. Tac, 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 tac. Et bon. Je rejoins comme ça. J'ai laissé un de large sur le côté parce que vous allez voir. Ici. Si je mettais du vert. Je vais mettre du vert. Ouais, j'ai tout cassé, c'est pas bien. Je sais. Donc, on va faire un toit. Enfin, un toit. Un contour, quoi. Un joli petit contour qui va bien. Voilà. Tac. J'essaye d'aller vite. Voilà. Et donc, si je continue comme ça, oh là, je peux pas sauter. J'étais obligé de péter un cube. Mais bah si. Voilà. Je vais me redonner les escaliers que je viens de péter. Parce que moi je suis un méchant. Donc ça c'est de la patience, hein, parce qu'il n'y a jamais la place. Même dans une maison comme ça, parce qu'elle est quand même assez grande, hein, pour une maison. Voilà. Je limite, j'ai envie de dire, vous faites ça et vous mettez votre seau d'eau. Voilà, j'ai jeté tout. Je peux pas jeter tout. Voilà, et ça vous donne une vue sur l'eau quand vous dormez. J'ai envie de dire, pourquoi pas? Voilà. Pourquoi pas mettre de la glow, hein, vu que ça se verra pas. Est-ce que ça se verra si je mets là? A mon avis, ça se voit. De là, ça se voit pas. Si, mais c'est pas gênant. Et d'ici... Oh, c'est pas gênant. Ça éclaire l'eau en plus. Parfait. Je vais dormir, tiens. Vu que j'ai un lit. Voilà. Dodo. Et puis on va se laisser là pour cet épisode 3. Et l'épisode 4 sera le dernier épisode, je crois. Donc voilà, voilà. Alors je vous dis à bientôt pour l'épisode 4. Et dormez bien. Voilà. Allez, salut.